I'm here for the first Needle Eglise casting at Flégère, and this is just riders registration. It's just like a small contest that we can win a place in the heli to go filming with the Needle Eglise. We are on a chairlift on deck, and we're going to check the face for today. Face looks beautiful. It's quite short, but looks interesting. It looks like being perfect. And the kickers, I just wait to climb up to see them, but the landing looks pretty good. The snow conditions up there are pretty changeable. There's some icy crud underneath, some firm, and some tending to be a little bit powderish. The criteria today will be style, speed, engagement, jump, and control. You took us by surprise today. When the first rider started, we were just like, holy shit, are those guys going that fast in that fucking snow? It was really tight. They had a lot of trouble deciding who was going to make it onto the movie, who was going to hop onto the helicopter. But with 69 points, avec 69 points on décidé, et c'est Corentin le roi du coco! Ouais, je m'y attendais pas trop, mais je suis assez content. J'ai fait deux bons runs, donc j'ai bien plaqué mes runs. J'ai pas misé sur les tricks parce que je voulais pas tomber. J'étais à Nanda pour les qualifs et j'ai dit je viens faire le truc du perfect moment à Cham. Du coup, j'ai pas fait les finales à Nanda, je suis venu ici et ça a payé. On a deux ex-aequo, parce qu'ils n'arrivaient pas à délibérer. Ils ont tous les deux 81 points, ils gagnent tous les deux une caméra, ils gagnent tous les deux une journée de tournage avec Thierry et son équipe. Alors on va commencer avec le Suisse, Greg Toucher. Il est où? Yeah! Et puis avec toi, il y aura le seul et l'unique, Rémi Péchier. Yeah! Ticker represents! Voilà, non, aujourd'hui vraiment un gros niveau, j'ai vu qu'il y avait les freestylers qui étaient là, ça ridait fort, ça mettait direct des têtes en bas au premier run, donc moi je me suis dit, ben, je vais rester sur ce que je sais faire, sauter un peu des barres, tranquille, et je pensais vraiment pas que ça allait faire comme ça, quoi. Donc vraiment cool, vraiment content, quoi.